Pourquoi vous mettez dans le coude pour la tension? Dans le coude? Ça a fait combien? Je dis 190-120, vous êtes moins sur ce fait attention. Je comprends pas pourquoi je ne peux pas faire mon attention. Regardez monsieur, 190-124, ça devient pénible ça. Pourquoi vous vous énervez? Parce que vous êtes énervant monsieur. Parce que je vous demande juste à regarder. Oui, c'est ça. C'est incroyable, là, ça fait peur. Oui, bah, faut... monsieur, je crois que l'explication a été bien claire avec professeur Chloé. Vous avez mais une lettre et vous avez expliqué qu'il ne souhaitait plus prendre en charge. Je vous le répète. Bah, je l'ai la lettre. Eh ben, vous avez vous avez reçu une lettre. Je n'ai jamais reçu de lettre, je vous l'ai. Vous l'avez. Il y a une lettre. Il y a une lettre dans le dossier. Avec tout votre dossier qui vous a été remis, qui vous a été expliqué. Je n'ai jamais reçu le dernier dossier. Vous pouvez aller voir le service de la pitié salpêtrière. Je n'ai jamais reçu. Je n'ai jamais reçu le dernier courrier, je vous ai dit jamais. Je vous dis qu'il vous dit, il y a une lettre du professeur Plain qui vous dit que. Vous allez vous pouvez rentrer à. Vous pouvez voir un autre médecin que lui, qui ne souhaite plus vous prendre en charge, et mais que vous pouvez vous aller me montrer la lettre. Vous allez me montrer la lettre. Voilà. Et une fois que vous m'avez montré, je sais qu'à la date de là, vous m'avez montré la lettre. Je vous montre la lettre et vous allez pouvoir rentrer là, de toute façon, ce soir. D'accord. Ah ben oui, il n'y a pas de problème. Donnez-moi la lettre et puis je vais rentrer. Vous allez pouvoir rentrer, monsieur. Oui, il n'y a pas de problème. Donnez-moi la lettre et puis je rentre. Donnez-moi la lettre. Hop. Vous avez vu la tension, c'est bon? Hein? Vous avez vu la tension? Vous l'avez mis dans le coude, mais c'est pas grave. Vous l'avez vu, monsieur, la tension? Vous m'avez mis le truc dans le coude. J'ai jamais vu prendre la tension dans le coude. Oui, parce que moi, je suis un incompétent, c'est bien plus. Ouais, c'est pas grave. Je suis pas c'est pas grave. Si ça va pas, je rappellerai les pompiers. Allez, rappelez les pompiers. Allez, si ça va pas. N'importe quoi. Dans le coude, c'est incroyable. C'est incroyable ça. Vous avez mis l'attention dans le coude, c'est pas possible ça. Il doit me prendre vraiment pour un con pour mettre l'attention dans le coude. Voilà, ça c'est la lettre du professeur Coin qui vous est destinée du 19 janvier et ça c'est votre électrode ce soir. Excusez-moi, datez-le-moi s'il vous plaît. C'est daté? Non, datez-le-moi. Aujourd'hui vous me le remettez, datez-le-moi. Je vous le remets, c'est une copie non, là aujourd'hui. Vous me datez, vous me le donnez aujourd'hui, c'est tout ce que je vous demande et je m'en vais. Non, je ne date rien, monsieur, alors, je vous donne un papier. Non, alors vous me l'envoyez par la poste. Je vous ai dit, datez-le-moi, je le prends ça, aujourd'hui. Ça vous a été envoyé par la poste, monsieur. Il n'y a pas de signature, datez-le-moi, signez-le et je le prends aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui signe, ce n'est pas moi qui l'ai marqué, monsieur. Attends, il n'y a pas de signature dans le document, je ne peux pas le prendre. C'est pas moi qui l'écris. Alors mais vous marquez votre nom, P.O. Oui, vous marquez et vous me le datez. Oui, voilà, la telle date, voilà. C'est ce que je vous demande. Oui. Oui. Remis ce jour le. Remis ce jour le. Non, je n'ai rien reçu. Je vous ai dit remis ce jour. Vous me le remettez aujourd'hui. Aujourd'hui, 19, remis le 19-04 à 4h du matin. D'accord. Ok. D'accord. Voilà. Okay. Voilà. Donc vous avez la coordonnée de la pour vous faire non, prendre vous en charge. Non, vous ne vous en faites pas. À l'hôpital de la Pitié Salpêtrière. Vous avez mis votre nom, monsieur? J'ai mis mon nom, monsieur. D'accord. Bonne journée. Excusez-moi, monsieur. Oui, monsieur. Je ne suis pas une bête. Vous me donnez tout ce qu'il faut pour que je m'en aille. Ça y est, vous pouvez partir. Avec 184 et 197 de tension. Mis dans le coude. Vous avez pris dans le coude. Voilà, oui, j'ai pris dans le coude. Voilà. C'est ma décision. Je donc vous refusez de me soigner. Je refuse pas du tout de vous soigner. Excusez-moi, les pompiers m'ont amené ici pour être soigné. Le médecin des pompiers a jugé que je devais venir ici. Oui, mais moi je... Vous refusez de me soigner. Je ne vous refuse pas du tout de vous soigner, je vous ai soigné. Non, vous ne m'avez pas soigné, monsieur. Vous m'avez pris le truc dans le coude et vous êtes pas, et vous avez fini. Oui. Donc si vous refusez, vous dites Dieu, vous refusez non, et je m'en vais. Je refuse pas. Alors pourquoi vous ne me soignez soigné, pas? Mais non, vous ne m'avez pas soigné, monsieur. Si, monsieur, ma consultation est finie. Je considère que votre consultation
et donc, fini, vous devez prendre votre traitement, et vous continuez à prendre votre traitement, et vous envoyez un médecin à la médecine. Monsieur, c'est ça que je dis, monsieur. Donc, c'est ce que je vous dis, vous avez refusé de me soigner. Pas du tout. Mais alors pourquoi vous ne me soignez pas? Je vous soigne, monsieur, je vous dis qu'il faut reprendre votre traitement, je dis qu'il n'y a rien à changer à votre traitement. Jusqu'à ce que vous m'ayez soigné. Non. Si, je reste jusqu'à ce que... C'est mon droit de rester jusqu'à ce que vous m'ayez soigné. Non, monsieur, je vous êtes sortant. Sauf si vous dites que vous ne me soignez plus, je m'en vais. Moi, je vous dis que vous êtes sortant, monsieur. Alors. À partir du moment où vous restez ici et que vous ne voulez pas rester non, ici, vous me dites, vous me dites, vous appelez comme vous voulez, ça ne me gêne pas. Mais je suis un malade, d'accord? La consultation est finie, non, monsieur. Non, ce n'est pas une consultation. On m'a emmené aux urgences. La consultation est finie. Si vous refusez de me soigner, vous dites Dieu, vous refusez, c'est fini. Pas du tout, arrêtez de faire le... Mais c'est vous, Je vous dis que votre consultation est finie, monsieur. Mais non, monsieur, si, monsieur. Suis arrivé ici avec 20 de tension. Et là, vous avez 18, ça a été baissé, il n'y a pas de signe de gravité. Non, rien n'a été baissé, monsieur, vous l'avez placé dans mon coude. Vous le replacez dans mon bras, vous prenez ma tension. Si c'est à 18, je m'en vais. Mais vous n'avez pas le droit de placer. Monsieur. Non, restez c'est vous. Ici, s'il vous plaît. Vous placez dans mon coude, monsieur. Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre une tension dans le coude. Oui, je n'ai jamais vu ça. Allez, pourquoi ici, vous faites ça? Vous allez aller en salle d'attente et ça mais va aller très vous bien. Vous faites comme vous voulez, c'est allez, pas un souci. Allez, restez en salle d'attente jusqu'à c'est... demain matin. Oui, mais c'est pas, vous c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez pris la tension dans le coude. Vous jouez à quoi? Mais vous n'avez pas le droit de prendre une tension dans un coude. Je n'ai jamais vu ça. C'est vrai, je fais ça exprès contre vous. Allez. Comédie a assez duré. Ok, donc je fais de la comédie alors. Exactement. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Je suis d'accord avec rien du tout à ce que vous racontez. Mais vous venez de dire la comédie a assez duré. Vous appellerez votre avocat. Ok. Au revoir, monsieur. Il n'y a pas de problème. Excuse-moi. C'est incroyable.